Venez, je vais vous montrer comment réaliser un petit dessert facile à faire avec une pomme et très très joli, super. Je vous montre ça tout de suite. C'est très bon. Je commence à prendre une pomme. Je la coupe en deux. J'enlève bien sûr les bouts et sans la casser, le milieu, c'est pas évident, hein, mais on y arrive quand même. Voilà. Ensuite, je vais la couper comme ça. En fine tranche, vraiment très très fin, hein? Un maximum de tranches. Avec une mandoline, ça irait aussi, mais moi, je préfère au couteau. Je trouve que les mandolines, c'est dangereux. Ensuite, vous éparpillez un peu vos tranches sur une assiette. Et on va les passer 30 secondes au micro-ondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez les blanchir dans l'eau pendant 2 minutes. Voilà, là, je vais couvrir dans celle-là. Et je vais les blanchir. On se retrouve dès que c'est fait. Je vais les laisser là-dedans, mais juste contrôler qu'elles soient bien souples. Ah. Allez, viens. Voilà, ouais, elles sont bien souples. Alors, je vais les laisser là-dedans. En attendant, je vais préparer. Alors, j'ai de la pâte feuilletée, j'ai fait un ruban comme ça large, d'environ 6 cm de large. Je mets un petit peu de sucre au milieu. Vous pouvez mettre aussi de la pâte d'amande ou bien de la crème vanille, c'est égal, comme vous voulez. Ensuite, j'aligne mes pommes, comme ça. Voilà. Sur toute la longueur. Voilà. Après, je replie par-dessus l'autre moitié. Voilà. Et je roule le tout. Et voilà. Ensuite, je mets ma rose. Voici, vous la voyez bien comme ça. Là. Je la mets dans un moule préalablement graissé. Voilà, comme ça. Et je vais tout remplir ma plaque avant de les mettre au four. J'ai rempli les 12 cases. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le mettre au four à 180 degrés durant à peu près 25 minutes et on va voir ce que ça donne. On y va. Je vais juste
contrôler que c'est bien cuit. J'en prends une là, et je vois, il y a bien de la couleur dessous. Maintenant, je vais juste les badigeonner un petit peu avec du miel, où j'ai rajouté une toute petite goutte d'eau. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais les laisser refroidir avant de me régaler pour cette dégustation. Je vous dis à bientôt. Faites-en autant, c'est hyper bon. Et je vous souhaite un bon appétit. Au revoir.